elle, actrice nommée Marie-France Pillet, est décédée le 24 avril 2011. Hélène avait seulement que 66 ans à elle, époque. Le doute plane encore sur les raisons de sa mort. Le magazine Gala rapporte toutes les informations sur elle, actrice pendant qu'elle était encore en vie. Marie-France Pillet a connu un succès dans sa vie, mais aussi une fin tragique. Elle a quitté trop tôt sa famille en les laissant dans le doute sur les circonstances de sa mort. Dans ce cas, des questions se posent si l'actrice est décédée de façon naturelle ou qu'elle a mis fin à ses jours. L'actrice francaise Marie-France Pillet, 31 août 1977. Photo, Getty Images 50, actrice Marie-France Pillet avait une famille en dehors de sa carrière. Elle a été mariée à un avocat nommé Georges Kiegeman en 1973 et leur relation a duré 6 ans. Après que, elle a divorcé avec celui-ci, LS, et mise en couple avec Thierry Funk-Brentano, avec qui elle a eu 2 enfants, Mathieu et Iris, qui ont actuellement 36 et 34 ans. L'actrice francaise Marie-France Pillet à Paris le 10 janvier 1983, France. Photo, Getty Images. Le père de ses enfants a été elle, homme qui a partagé sa vie jusqu'à ce que LS éteigne. Marie-France Pillet a vécu des situations difficiles aussi dans sa vie à part le fait qu'elle a parcouru une carrière très compromettante. En effet, elle, actrice, a souffert d'un cancer. Elle a été aussi poursuivie par son passé, notamment le fait que ses parents se sont ôtés la vie. Les raisons ne sont pas déterminées exactement. Elle a été retrouvée morte dans la piscine de leur villa à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, un de ce qui semble être un mystère. L'actrice francaise Marie-France Pillet pose entourée de coussins en 1962. Photo, Getty Images. Cependant, le doute plane encore. Est-ce, agissait bel et bien un accident ou un moyen de mettre fin à ses jours. Juge parce que, elle la traverse, il y a certaines hypothèses qui poussent à croire que la mère de famille a commis cet acte odieux. De gré mes enfants haine, accepte pas elle, il dit du suicide et penche pour la 10 de elle, accident. Alors, moi, qui suis absolument certain du contraire, je finis aussi par me ressoudre à employer le terme des « accidents » plus ou moins assorti son mari Thierry Funk-Brentano. Marie-France Pillet a rendu l'âme. Sa perte a causé tant de mal à sa famille, mais aussi pour ses fans. Décédée à l'âge de 66 ans et les causes du deuil ne sont pas déterminées si c'est est une crise cardiaque ou une manière de mettre fin à ses jours. En parlant d'hypothèse sur la circonstance de la mort, elle, ex-mari de la princesse Marthe Louise de Norvège, et donne la mort. Le deux a touché la famille royale. La princesse Maërta Louise de Norvège et son mari Harry Ban au Palais Royal le 13 juin 2015 à Stockholm, Suède. Oh, Getty Images.